Il y a 150 ans, les Parisiennes et les Parisiens sont allés à l'assaut du ciel. Ils et elles se sont fédérés pour changer la vie, pour plus de justice sociale, pour le partage du travail, pour plus de démocratie, pour l'égalité. Pendant 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871, des gens ordinaires ont créé de l'extraordinaire. Pour discuter de l'actualité de cette expérience d'émancipation inédite et inouïe, Michaël Lowy et Olivier Besancenot ont de nouveau fait plume commune. Ils viennent de publier aux éditions Manifeste, collection Le Maire, le Moqueur, une fiction politique, Marx à Paris, 1871, le cahier bleu de Jenny. Donc bonjour Olivier, bonjour Michaël, merci à vous d'être présent. Alors ma première question Olivier, c'est sans doute celle que tout le monde te pose ou vous pose à propos de cet ouvrage, c'est pourquoi avoir choisi une fiction politique pour parler de la Commune? Est-ce que l'imaginaire de la Commune est-elle si vivace dans le mouvement ouvrier que ce choix était le seul pour pouvoir de nouveau l'explorer et en rediscuter? Le seul, sûrement pas, puisqu'il y a une multitude d'écrits, heureusement, qui apparaissent ou qui réapparaissent à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune. C'était une façon dont on a discuté avec Michaël et qui est venue assez rapidement, finalement, de traiter cet anniversaire de manière un petit peu singulière et un petit peu décalée, en s'autorisant en effet la possibilité de créer une espèce de fiction politique, mais... une fiction politique pas tout à fait fictive, puisqu'en réalité on s'est quand même particulièrement appuyé sur un écrit fondamental qui est l'écrit de la guerre civile en France de Karl Marx, c'est-à-dire de cette adresse à l'international qui est écrit dans la foulée de la Commune, quelques jours après la semaine sanglante, donc après l'écrasement des communards et des communardes. Karl Marx prend sa plume et il écrit un texte à l'international qui est particulièrement significatif politiquement pour ce qu'a été la Commune en tant que révolution, qui est particulièrement significatif de ce qu'a été la pensée de Marx et de ses évolutions, voire de ses ruptures, parce que c'est un texte qui est, on va sûrement en parler, mais qui est quand même très anti-étatisme, très anti-bureaucratisme, et c'est Karl Marx qui s'autorise à ça, et qui prend un peu à contre-courant, y compris les tendances un petit peu naturelles de l'international à l'époque, et même d'ailleurs des courants anarchistes, ou de certains courants anarchistes ou libertaires en tous les cas. Donc en fait, c'est plus qu'une fiction politique, je ne sais pas comment on pourrait le définir, c'est une espèce de volonté de mettre en scène, comme ça, des écrits qui ont réellement existé, en s'autorisant des rencontres qui, en l'occurrence, n'ont pas eu lieu en tous les cas dans ce contexte-là, avec des figures de la Commune, avec des grands noms de la Commune, avec Varlin, avec Dimitrieff, avec Léo Frankel, avec Louise Michel. Et on a imaginé donc le fait que, de nos jours, on vient nous présenter un écrit qui est écrit de la main de Jenny Marx, la fille de Karl Marx, dans un allemand gothique. Voilà, c'est un cahier bleu qu'on nous ramène, qu'on va décrypter. Et après analyse, on a la certitude que c'est bien Jenny qui l'a écrit. Et en fait, ce carnet bleu, c'est le récit que Jenny a tenu, c'est-à-dire comme un journal de bord de cette visite secrète et clandestine qu'aurait mené Karl, son père, et Jenny dans la Commune de Paris. Et donc on a quand même essayé de prendre aussi soin, dans cette mise en scène, de pas voir malgré tout la Commune que d'en haut, pas simplement autour des grands noms, c'est aussi d'amener les processus, les ambiances, les réunions, et le Paris insurgé de l'époque qui montrait à quel point c'était un processus qui venait du bas et qui ne se résumait pas simplement à sa direction. Alors justement, Michaël, ce livre est un hommage à certaines figures de la Commune, alors célèbres, moins célèbres, et en particulier des femmes, hein, parce que ça c'est quand même axé et à noter dans l'ouvrage, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est surtout aussi un hommage à Marx, et à sa capacité d'analyse de l'événement. Alors pour toi, pour vous justement, qu'est-ce que la Commune a apporté à ce qu'on peut appeler le marxisme, et en particulier sur la question de l'État?
Oui. Mais je voudrais d'abord répondre à la question que tu as fait, Olivier, pour dire qu'on revendique notre part de subjectivité en choisissant ce format-là. C'est-à-dire, à la fois notre subjectivité à nous, c'est-à-dire on avait envie de faire cette conversation, d'inventer cette conversation, de voir Marx discuter avec Louise Michel, avec Elisabeth Dimitri. Bon, c'était notre désir, quoi. C'était un rêve, quoi. Et aussi, on voulait montrer la subjectivité des personnages, c'est-à-dire les personnages, pas simplement par leurs écrits politiques, mais aussi, bien entendu, mais aussi leur subjectivité à eux, y compris de Marx, de sa fille, etc. Donc, voilà, on revendique un peu ça, et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi ce format un peu décalé, comme dit Olivier. Bon, maintenant, pour répondre à ta question, oui, effectivement, Marx... C'est quelqu'un dont la pensée est toujours en mouvement, contrairement à certains marxistes, entre guillemets. Et c'est une pensée toujours en mouvement et une pensée qui est toujours ouverte à l'apprentissage avec ce qui se passe, avec la réalité, avec les mouvements, avec les événements. Et la Commune, c'est un des exemples les plus frappants. Bon, d'une part, elle confirme les principes fondamentaux de ce que pense Marx, c'est-à-dire, bon, l'émancipation des travailleurs sera à l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Bon, c'est la Commune, c'est l'expression la plus évidente, la plus frappante de ces principes. Mais aussi, bon, il va découvrir de choses. Bon, la question de l'État, bon, c'est une question qui apparaît évidemment dans ses écrits avant, mais jamais de façon aussi claire, aussi explicite, aussi frappante que dans la guerre civile en France, 1871, qui est un des grands textes de Marx, où il dit, bon, c'était, la Commune, c'était une révolution contre l'État, contre l'État, c'est-à-dire en toutes lettres, c'est pas Bakounine, c'est pas Proudhon qui l'a dit, c'est Marx, c'est une révolution contre l'État, et parce que les travailleurs se sont rendus compte, c'est la célèbre formule, qu'ils ne peuvent pas s'approprier de l'appareil d'État bourgeois, pour le mettre à leur service, il faut le détruire et la remplacer par quelque chose d'autre, c'est-à-dire par un pouvoir démocratique, révolutionnaire, des travailleurs, du peuple, des exploités. Bon, voilà, c'est ça qu'il découvre dans l'expérience de la Commune et qu'il va expliquer dans ses écrits, notamment dans cet texte au nom de l'International, la guerre civile en France. Voilà, donc c'est clair que... La Commune était, pour Marx, un apprentissage aussi. Évidemment, il va l'interpréter partant de ses propres réflexions, de ses principes, de ses concepts, mais en même temps, il va, incorporer cette expérience dans sa réflexion. Sa réflexion va avancer en fonction de cette expérience. Donc voilà, morale de l'histoire. La pensée de Marx est une pensée toujours en mouvement et toujours ouverte, et on doit s'inspirer de cet exemple. Olivier, tu as un... Ben, c'est un hommage à Marx et c'est un hommage à la Commune aussi, en tant qu'événement concret, pratique. Et la force de Marx, justement, elle tient à ça, à comprendre l'événement. L'événement qui surgit, il arrive à la capter une fois de plus en temps réel. En temps réel. Et la Commune, c'est non seulement cette effervescence sociale et politique d'un processus révolutionnaire qui combine le suffrage universel et la démocratie directe, mais c'est aussi un espèce de bouillonnement des pratiques militantes, des courants divers et variés sur une période très resserrée qui dure finalement 2 mois. Parce que dans la Commune de Paris, il y a des marxistes, il y a des blanquistes, il y a des proudhoniens, il y a des gens qui sont rien du tout mais qui sont révolutionnaires. Il y a une multitude de courants et chacun est pris dans ses propres contradictions parce que personne, évidemment, n'était en capacité d'imaginer la tâche colossale qui les attendait et une situation où, en effet, chaque heure vaut une journée et chaque journée vaut une semaine au bas mot parce qu'ils ont été confrontés à un ennemi extrêmement puissant, les Versaillais, qui au final vont pouvoir gagner. Donc nous, on a essayé en effet de remettre un petit peu le projecteur sur ce texte-là, un peu comme une continuité d'ailleurs de ce qu'on avait écrit ensemble sur les affinités révolutionnaires
nos espoirs rouges et noirs. C'est-à-dire que il y avait un des passages où on expliquait, par exemple, cette espèce de chassé-croisé qui brouille les pistes entre le bilan politique, par exemple, tiré par Bakounine et celui tiré par Marx de la Commune. C'est-à-dire que Bakounine, il explique que le bilan qu'il tire de ce qui s'est passé, c'est que face au gouvernement versaillais et à l'armée versaillaise, il aurait fallu que la Commune oppose une armée et un gouvernement révolutionnaire. Là où Marx dit que c'est d'abord et avant tout une révolution contre l'État lui-même, cet avorton surnaturel de la société. Et Marx, à plusieurs reprises, revient sur ce que peut être l'appareil d'État bureaucratique, c'est-à-dire ce boa constrictor, comme il le dit, qui étouffe la société. Donc, en l'occurrence, un appareil d'État bureaucratique et militaire. Et là, on a une expérience d'émancipation, enfin trouvée, selon ces termes, c'est-à-dire sans avoir été élaboré dans un quelconque colloque ou dans un quelconque club révolutionnaire, les hommes, les femmes, les ouvriers, les ouvrières, les artisans, les prolétaires de Paris vont inventer une forme nouvelle de société qui, dans les faits, commence à aboutir à l'extinction de l'État, mais sur des éléments extrêmement concrets. Et c'est cette espèce de pragmatisme comme ça qui est extrêmement important, doublé en effet de l'idée fondamentale que une pensée politique, elle est là pour se remettre en cause systématiquement, en permanence, elle est en mouvement perpétuel. Et justement, à l'opposé de ce que l'historiographie officielle a légué à l'histoire, c'est-à-dire que le marxisme serait une espèce de dogmatisme et de pensée figée avec des recettes toutes faites, c'est là l'illustration concrète que Marx se vivait en perpétuelle remise en question. Voilà. Donc c'est pas pour dire que Marx avait raison sur tous les sujets, mais c'est cet outil politique-là, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi d'autres écrits magnifiques qui ont été écrits sur la Commune et pas simplement par Marx, qu'on a essayé de célébrer à notre manière. Alors, je peux... Vas-y, Michel. Oui, effectivement, il y a cette idée qu'on aime beaucoup, on a écrit ce livre sur les affinités révolutionnaires, que partisans de Marx et anarchistes se sont rencontrés, ils étaient ensemble, et ils partageaient l'essentiel, dans la pratique. Et même on trouve des personnages, on essaie de les montrer dans le livre, comme Varlin, qui se disent grands admirateurs de Marx et d'Engels, de Proudhon et de Bakounine. Hein, ils sont tout ça à la fois. Donc on trouve ça, ça fait partie de ce bouillonnement fantastique de la Commune. Bon, voilà. Et, bon, Marx, il n'était pas infaillible. Hein, et dans certains moments dans le texte, à travers génie, on esquisse un peu de distance critique. Bon, par exemple, quand Marx dit non, mais pourquoi vous avez fait les élections? Il ne fallait pas faire les élections. Et les communards répondent, je pense que c'est Varlin qui est avant, ben non, il fallait quand même qu'on ait la légitimité du suffrage. Et génie dit oui, je suis d'accord avec Varlin. Bon, donc, Marx n'était pas infaillible, enfin, mais quand même, c'est lui qui a compris l'essentiel de ce qui s'est passé là-bas. Alors, tout à l'heure, Olivier disait que alors, c'était vraiment un ouvrage où il y avait des rencontres entre Marx, sa fille et des figures de la Commune, alors certaines extrêmement connues, hein, Eugène Varlin, Léo Frankel, hein, le Hongrois ouvrier bijoutier qui a été élu au Conseil de la Commune, ou encore Louise Michel, mais aussi d'autres figures moins connues et pourtant qui ont joué un rôle central. Alors moi, je pense en particulier à Elisabeth Dimitrieff, alors Lisa, hein, dans comment l'appelle Marx dans l'ouvrage, et aussi Nathalie Lemel, alors qui est une figure extrêmement aussi intéressante et importante d'une communarde, qui avant la Commune, et ça c'est un fait exceptionnel, elle a été élue déléguée syndicale en 1865, et ça on l'oublie souvent, mais voilà, des ouvrières pouvaient être aussi élues déléguées syndicales, et ces deux communardes ont créé, pas seulement elles, mais elles ont été à l'animation et à la création de l'Union des femmes, et on les a retrouvées également sur les barricades, et pas simplement pour y soigner les blessés. Hein. Il y a à la fin de la rencontre entre Marx, Jenny et Lisa, il y a son pistolet où elle explique bien qu'elle est prête à en découdre et qu'elle est prête à mourir également.
également pour la commune. Donc, comment avez-vous fait ce casting, hein, si on peut parler comme ça, pour cet ouvrage? En fait, les noms sont venus au fur et à mesure de nos lectures, assez naturellement. Le seul regret, c'est de faire le deuil d'une multitude d'autres figures connues ou inconnues, ou connues ou moins connues de la commune de Paris. Mais on a fait ce choix-là pour essayer de ressouligner l'actualité, notamment de la place des femmes dans le cadre de la commune, qui est un combat qui, comme tu le rappelais, n'était pas simplement assigné au périmètre du combat pour le droit des femmes dans le cadre de la commune. C'est-à-dire que la commune, c'est le combat des femmes, et vice-versa. Et d'ailleurs, l'appel de l'Union des femmes va dans ce sens-là, à la fois par rapport au combat, c'est-à-dire les premières lignes qui souhaitent en découdre avec l'armée versaillaise et qui souhaitent que la commune sorte de Paris pour aller marcher sur Versailles, c'est des femmes. C'est des comités de vigilance, de citoyennes, de Louise Michel du côté de Montmartre ou de l'Union des femmes de l'autre côté. Et au-delà de ça, dans les questions stratégiques subversives qui resteront la marque de fabrique de la commune et qu'on a finalement oublié, on revient à la case du combat des femmes. Par exemple, la question de l'autogestion. Et tu parles de Dimitriev. C'est un nom comme ça qui reste un petit peu collé dans nos rétines, dans on ne sait quel cycle de formation. On croit savoir qui c'est. En réalité, j'ai découvert qui elle était. C'est-à-dire une espèce de comète politique avec une vie absolument invraisemblable. C'est-à-dire que Elisabeth Dimitriev, c'est une jeune russe issue d'un milieu noble qui, comme beaucoup de sa génération, s'entiche d'un roman écrit par Tchernychevski qui s'appelle Que faire, qui est un roman dans lequel il y a plusieurs personnages et dont un des personnages principaux, l'héroïne, on va dire, Vera, je crois, de mémoire, va essayer de transcrire, d'abord s'affranchir de son propre milieu et va essayer de transcrire les formes d'organisation de la paysannerie traditionnelle russe qui mettent en commun le bétail, le matériel, dans des formes qui s'appellent des artels, des obsinats, qui sont en fait des mises en commun, hein, des mises en commun des outils et du bétail. Et Tchernychevski imagine dans son roman que Vera va transposer cette forme autogestionnaire, entre guillemets, dans un atelier de couture autogéré. Voilà. Et que fait Lisa, Elisabeth Dimitriev? Elle s'affranchit de son propre milieu, elle va retrouver une multitude d'exilés politiques à Genève, et elle veut établir une correspondance politique avec Marx sur cette question théorique. C'est-à-dire comment on peut relier la question de l'autogestion, finalement, à ces formes d'organisation traditionnelle de la paysannerie russe. Elle arrive à établir le lien, elle va à Londres, et pendant 3 mois avant la Commune, elle est l'invitée principale de la famille Marx, elle discute de ça, au point que Marx s'entiche de Lisa et envoie Lisa à la Commune de Paris le jour quasiment de la proclamation pour être ses yeux et ses oreilles. Et le lendemain, elle vit d'elle-même de ses propres ailes et elle se retrouve en effet au cœur du projet de l'Union des femmes, dont un des projets, c'est pour ça que je voulais le souligner, consiste à quoi? Bah, précisément à mettre en place des ateliers de couturières où le fruit du travail de toutes revient à toutes et toutes, notamment pour fabriquer les vêtements de la garde nationale ou les sacs de sable qui sont nécessaires sur les remparts contre les Versaillais à ce moment-là. Un projet qui a été validé, en tous les cas, par Léo Frankel et qui était en projet dans le cadre de la commune, si la commune n'avait pas été... voilà. Mais c'est-à-dire que là, à cette échelle-là, je crois, comme expérience d'autogestion, c'est la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier qu'on a ça, notamment dans le feu de l'action. Et Elisabeth Dimitriev, elle arrive à échapper au massacre des Versaillais, et puis ensuite, on n'a plus de traces d'elle. On ne sait même pas exactement si elle meurt en 1919, en 1904. Enfin, voilà, c'est une comète. Mais c'est une très belle personne qui est reliée aux idées autogestionnaires. Et donc, dans cette galerie de portraits qui resterait à faire, il y a à chaque fois des idées, des expériences concrètes qui restent rattachées, ou dans le feu collectif, il y a aussi des idées singulières qui ont été amenées à cause du parcours des uns et des autres. Et c'est aussi ça qu'on a essayé de ramener. Et toi, tu parles de Nathalie Lemel, qu'elle retrouve dans l'Union des femmes. Et si l'Union des femmes prend cette proportion de masse dans le cadre de la commune, c'est aussi parce qu'il y a un travail qui a été préalablement établi, notamment pendant le siège des Prussiens, ou pendant des mois. Il y a des cantines populaires qui sont organisées, qui vont permettre à plus de 8000 personnes de pouvoir survivre dans un projet de cantine qui s'appelle La Marmite, je crois, mené par Nathalie Lemel et Varlin, d'ailleurs. Voilà. Et c'est grâce à tout ce travail préalablement effectué
de pratiques concrètes où on a des révolutionnaires qui ont mis là, les mains dans le cambouis sur des expériences d'entraide et de solidarité concrètes que les idées aussi vont pouvoir se propager. Alors, okay. On avait envie de mettre en avant effectivement cet aspect féminin de la Commune de Paris. Évidemment, à travers ces deux figures qui sont extraordinaires, Louise Michel et Elisabeth Dimitrieff, mais aussi par le fait que c'est raconté par une femme, par Jenny. Ça donne aussi un autre aspect. Et c'est pas un hasard si on a choisi une couverture où on voit que la Commune de Paris a été, le premier acte de la Commune de Paris, c'est les femmes. C'est elles qui ont pris l'initiative. C'est elles qui sont montées sur la colline Montmartre, défendre les canons de la garde nationale, oui. Empêcher qu'ils soient confisqués par l'armée. Donc, du début jusqu'à la fin, les femmes sont à l'avant-garde de la commune. Malgré le fait qu'on ne les ait pas laissées voter. Bon, il y avait quand même des limites dans la conscience révolutionnaire. Mais elles sont très, très présentes du début jusqu'à la fin de la commune. Et on voudrait, on a essayé de mettre ça à travers le choix des personnages pour qu'on n'oublie pas que cet aspect, cette présence très très forte de femmes dans la commune de Paris. Mais dès le départ, puisqu'il y a Jenny qui est là, Jenny, début jusqu'à la fin, et c'est elle qui raconte l'histoire. Ouais. C'est elle qui a poussé son père. C'est Jenny. Ah, y aller, voilà. Contre toute attente. Alors, dès le début, les opposants de la commune ont été nombreux, puisqu'elle remettait en cause à la fois la propriété privée et l'ordre tant social que politique. Pour eux, la commune était une entreprise menée par toute la vermine des faubourgs, et l'ont considérée en plus comme un mouvement antipatriotique. Car de nombreux et nombreuses étrangères et étrangers ont joué dès le départ un rôle important, comme ce fut le cas de Frankel, mais aussi de Dimitrieff, dont on vient de parler, mais aussi de Dombrowski et de d'autres, parce qu'il y a eu deux généraux polonais, mais il y a eu aussi des Italiens, etc., qui étaient bien présents et qui ont joué un rôle primordial. Et alors la question de l'internationalisme a été aussi très importante pendant la Commune. Marx, dans son adresse à l'AIT, fait un véritable appel au monde pour parler de cette Commune. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et en quoi cet internationalisme vivant de la Commune est-il toujours d'actualité aujourd'hui, y compris au vu de certains débats à gauche ? Michael, Olivier. Oui, effectivement, l'internationalisme était au cœur de la Commune par cette participation très très forte de volontaires, des combattants, des dirigeants, des officiers. Bon, Dombrowski qui était polonais et Wroblewski qui était russe. Bon, il y avait tout ça. Et évidemment, Léo Frankel qui était un des dirigeants les plus importants. Bon, donc la commune était ouverte à l'universel. Elle avait une vocation universelle dans ses appels. Elle dit, nous appelons aux travailleurs allemands, aux travailleurs de toute l'Europe, du monde entier. Et pour Marx aussi, il insiste sur cet aspect. Il y a un texte où il dit, la commune, c'était l'avant-garde de l'armée menaçante du prolétariat universel. C'est une belle formule. Et puis, il y a ces célèbres gestes de la commune de renverser la colonne Vendôme, qui était le symbole du nationalisme belliciste, du militarisme, du bonapartisme, construite avec le canon pris à l'ennemi. Enfin, bon. Donc, en renversant la colonne Vendôme, c'était une façon de s'affirmer anti-belliciste, anti-nationaliste. C'était une des expressions de cet internationalisme. Et ce n'est pas un hasard si la commune est devenue patrimoine du mouvement ouvrier international. C'était une référence, d'abord pour la Révolution russe, évidemment. La Révolution russe s'est faite sous l'égide de la commune de Paris. Mais d'autres mouvements révolutionnaires, jusqu'aujourd'hui, on trouve des références à la commune de Paris. Donc c'était au cœur de la mémoire collective du mouvement ouvrier international. C'était bien au-delà d'un événement dans une ville française, n'est-ce pas ? C'était un événement du prolétariat international.
Bon, maintenant, aujourd'hui, nous vivons évidemment dans un monde très différent, mais nous vivons toujours dans le capitalisme, nous vivons toujours à l'époque des guerres, des conflits nationaux, des gens qui s'entretuent au nom de la patrie ou de la religion ou de Dieu. Bon, donc, plus que jamais, cette idée de l'unité internationale du prolétariat, des exploités, des opprimés, elle est très actuelle. Hein, elle est très actuelle aussi parce que nous sommes confrontés à un problème qui évidemment n'existait pas à l'époque de la Commune, qui est la crise écologique, qui ne reconnaît pas de frontières, qui est un problème planétaire et qu'on ne peut affronter que par une bataille qui est, elle aussi, internationale. Comme l'a bien compris Greta Thunberg, cette jeune suédoise de 16 ans qui a fait appel à une grève internationale de la jeunesse. Bon, donc, les combats d'aujourd'hui sont internationaux aussi. Et puis, je crois que l'internationalisme est intrinsèquement lié à l'histoire de la Commune. Une des offensives politiques qui étaient menées contre les communards, c'était précisément le fait que c'était une démonstration d'actes internationalistes. Dans les faits. Et on les attaquait évidemment là-dessus. Ce qui est aussi une petite pirouette par rapport à une certaine manière dont a été véhiculée la Commune au sein même du mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'on a quand même entendu, pendant, en tous les cas moi je l'ai entendu pendant des années, ceux qui, par exemple, nous reprochaient trop d'internationalisme, nous expliquaient et nous ramenaient à la Commune en disant que la Commune était d'abord un acte de patriotisme. C'est-à-dire que l'insurrection parisienne est d'abord cet acte qui consiste à refuser, ce qui est vrai, que les Prussiens rentrent dans Paris. Et que c'est d'abord ça l'acte fondateur de la Commune. Sauf que la Commune, ça a été aussi ce qu'expliquait Michael. C'est-à-dire des milliers de personnes qui venaient de l'Europe absolument entière, pour d'abord parce que certaines y vivaient, et puis pour participer à cette insurrection qui a tout de suite eu la volonté de voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette combinaison, cette volonté d'être à l'échelle locale, c'est-à-dire de mener la politique et de chercher à peser sur son destin là où on l'a à portée de main, donc à l'échelle communale, mais en envisageant d'emblée la possibilité de fédérer autant de regroupements communaux à toutes les échelles possibles, y compris à l'échelle internationale. Et donc la portée internationaliste de la Commune, elle s'inscrit aussi dans toutes les déclarations, dans tous les actes qui ont été ceux de la Commune, c'est-à-dire fondamentalement une révolution internationaliste, et qui reste et qui restera à jamais. Donc c'est ça qui est important de retenir, de comprendre aussi, par exemple, comme Michael disait que Marx n'était pas infaillible, Marx, il a pas vu venir la Commune de Paris. C'est pas là que ça devait se passer pour lui. Au début, semble-t-il, il est même assez réticent, il tient des distances, et puis il tourne parce qu'il comprend la portée de l'événement. De la même manière que ceux et celles qui se réclameront de ce combat-là vont retenir notamment tout ce que les communards n'avaient pas réussi à faire. Et que là aussi, dans notre héritage politique, on a peut-être eu tendance à garder que ce regard-là. C'est-à-dire, le bilan critique de la Commune, c'est qu'ils n'ont pas été marchés sur Versailles et qu'ils ne se sont pas emparés de la Banque de France. Ce qui est vrai. Sauf qu'ils ont fait plein d'autres choses. Et qu'on essaye aussi de montrer la difficulté de ces discussions-là. Mais c'est vrai que ça, c'était la hantise de toutes les générations qu'ont suivi la Commune de Paris, qui est donc une défaite fondatrice, finalement. Et qui va obséder les bolcheviks. La fameuse danse de Lénine dans la neige, imaginée ou pas, je ne sais pas si elle est légendaire, au J+1 de la Commune, c'est-à-dire dès lors que la Révolution russe a tenu un jour de plus que la Commune de Paris, lui, il va danser dans la neige parce qu'il pense qu'ils ont déjà réussi quelque chose qui n'avait pas été fait dans l'histoire. Mais il y a cette référence, et cette référence politique qui, à mon avis, devrait inspirer l'ensemble des rangs du mouvement social, du mouvement ouvrier, des collectifs, du combat écologiste, du combat féministe, de la gauche radicale, de se redire à quel point, de toute façon, quand on est confronté dans son combat pour l'émancipation à un adversaire de taille, qui est cette oligarchie qui lâche rien, on ne peut pas se permettre le luxe de penser que, de toute façon, une quelconque frontière va nous protéger. Les frontières de la Seine ne nous ont pas protégés au moment de la Commune de Paris, elles ne vont pas nous protéger plus à l'échelle nationale. On est, de toute façon, confronté à cet exercice-là. Donc, et je crois que c'est peut-être une petite piqûre de rappel, en effet, de ce qu'il faut conserver, du combat de la Commune de Paris, qui d'ailleurs va continuer après la Commune de Paris, puisque dans toute la vague de répression qui va s'abattre sur la Commune, pour ceux qui ont réussi à échapper à l'exécution sommaire, il y aura les bagnes, il y aura des parcours politiques qui vont se faire avec là aussi des nationalités différentes, avec des noms différents, et ça on a intérêt à s'en inspirer.
Alors justement, à propos de la semaine sanglante et de l'écrasement de la Commune, Thiers et ses alliés, enfin les Versaillais, ont voulu, en écrasant de cette façon-là, faire un exemple hein, et faire en sorte que plus jamais le peuple de Paris ne se soulève. L'autre volonté des Versaillais a été aussi d'effacer de la mémoire collective ces 72 jours. 150 ans après, force est de constater qu'ils ont échoué. Et comme le dirait et comme le disait le chansonnier et communard Jean-Baptiste Clément, l'oubli ne se décrète pas. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la Commune de Paris demeure d'une extraordinaire pertinence. Alors quels apports de la Commune pour nos combats d'aujourd'hui, Olivier, Michael? Mais oui, je pense que les idées fondamentales de la Commune, elles sont très, très importantes pour le mouvement que nous avons aujourd'hui. Bon, cette idée de l'auto-émancipation des opprimés, de l'émancipation par en bas. La Commune n'avait pas un chef, un guide, un leader maximo, un sauveur suprême. Hein? Il n'y avait pas ça. Hein? Il y avait beaucoup de dirigeants, certains démissionnaient, d'autres les remplaçaient. Non, c'était un mouvement de la masse, n'est-ce pas? Et un mouvement, vraiment, le mouvement de l'auto-émancipation des opprimés. Et ça, c'est une leçon très, je pense, très importante qu'il faut retenir pour le mouvement aujourd'hui. Et l'autre leçon très importante, c'est le pluralisme. Hein? Il n'y avait pas un seul parti d'avant-garde qui menait toute l'histoire. Bon, je sais qu'il y a certains de nos ancêtres vénérables qui disaient qu'il manquait un parti dirigeant, etc., etc. Bon, peut-être, mais je pense que ce pluralisme, c'est quelque chose de précieux. Hein. Et il faut garder cette idée, c'est-à-dire la révolution de l'avenir, seront plurielles. Hein. Il y aura une diversité des forces avec des problèmes, des contradictions, comme on a vu à la Commune. Hein. Et ça n'a pas empêché les gens de combattre ensemble. Et donc, je pense que c'est une valeur très, très importante. Bon, et l'autre, nous avons parlé de l'internationalisme, c'est aussi une leçon qui reste très actuelle. Bon, évidemment, la Commune ne va pas se répéter. Hein. Il ne s'agit pas d'imiter ce qu'ils ont fait, mais on peut s'en inspirer. Et il y en a des révolutionnaires, bon, on peut voir des mouvements révolutionnaires aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est fait explicitement ou non, mais ils ont cette dimension de la Commune, quoi. Et que ce soit la Commune des Zapatistes, ou les communes des Zapatistes, hein, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et la Commune du Rojava, de Kurdes, au nord de la Syrie. Bon, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui qui, on voit, ont quelque chose en commun avec l'esprit, hein, l'esprit de la Commune de Paris. Oui, mais je le prendrai par ce biais-là, notamment sur ce que tu dis sur les Kurdes, c'est-à-dire l'idée, par exemple, de la fédération communaliste qui est portée par les Kurdes dans le sud-est de la Turquie, au nord de la Syrie, en Iran et en Irak, elle est surprenante de ce point de vue-là. C'est-à-dire d'un courant qui, les armes à la main, était plutôt parti sur des concepts de, j'allais dire, classiques de lutte de libération nationale, c'est-à-dire qu'un peuple, un peuple-nation privé d'État doit d'abord se battre pour un État. Bah, aujourd'hui, ces organisations pensent à un projet un petit peu différent, comme quoi finalement il y a des rebondissements sans mimétisme qui sont toujours possibles. Moi, ce que je tire et ce que j'espère qu'on va garder comme enseignement de la Commune, c'est, en effet, à l'occasion du 150e anniversaire, c'est pas de le célébrer comme un anniversaire figé, mais c'est comprendre la place de l'imprévisible en politique, c'est-à-dire la part de l'événement, l'événement qui vient tout rabattre, qui était prévu par personne, ni par ceux qui tiennent la société, ni par ceux qui résistent à ceux qui tiennent la société. Et ça, c'est toujours possible dans l'histoire. On en a eu des micro-expériences il n'y a pas encore si peu de temps que ça. Et même quand les périodes paraissent difficiles, et elles sont difficiles, et il y a des vents mauvais qui soufflent pas que sur la société française, il y a toujours la part de l'imprévisible. Et les deux choses que j'en tire, moi, dans les écrits, notamment ceux de Marx, la première, c'est que dans le combat de l'émancipation, on a toujours confronté un adversaire, et un adversaire redoutable. Et à ceux qui pensent que la Commune de Paris, c'est que du noir et blanc, il faut se pencher sur l'actualité de la pensée versaillaise. Quand on a connu le mouvement des Gilets jaunes et que ça commençait à tourner trop près de l'Élysée, je me souviens de tout ce vocabulaire qui animalisait les manifestants dans leur férocité, dans leur rage. On n'a pas entendu un seul plateau télé où on n'a pas eu des éditorialistes pour nous dire à quel point
tous ces manifestants et ces manifestantes étaient des bêtes. Les Versaillais disaient exactement la même chose, avec une batterie d'intellectuels d'ailleurs à l'époque, des communards et des communards. Il y a des écrits, hein, Paul Liszky notamment, qui sont consacrés à cette question-là. Et aujourd'hui, bah, les Versaillais, on les entend partout. On les entend partout. Et eux, ils ont goût de la revanche. Ils ont goût de la revanche. Pour eux, cette expérience-là, il faut l'effacer d'une manière ou d'une autre dans ce qu'elle peut porter pour l'avenir. Et puis l'autre chose, c'est à quel point Marx nous lègue quelques armes, lui puis d'autres, contre le fléau bureaucratique de l'État. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça devrait inspirer une partie de la gauche radicale. C'est-à-dire, c'est aussi une piqûre de rappel contre le présidentialisme, contre l'idée qu'on peut régler les choses par en haut. Voilà. Présidentialisme dont une bonne partie de la gauche aujourd'hui s'est rendue prisonnière, joue le jeu, et une chose sont les élections, mais c'est autre chose de jouer ce jeu-là et penser que le dénouement peut arriver par là. Et quand Marx explique que le bilan qui tire de la commune, c'est qu'on ne peut pas prendre l'appareil d'État, le mettre entre nos mains pour que les choses changent, malheureusement, c'est que d'une cuisante actualité, parce que l'appareil bureaucratique et militaire, le boa constrictor dont parle Marx en 1871, il a fait que se renforcer depuis. Et toutes les, même pas tentatives d'émancipation, mais les simplement actes politiques de résistance ont été confrontés à ça. Si on prend l'exemple grec de Tsipras, qui n'était même pas un programme révolutionnaire, même pas un programme anticapitaliste radical, c'était quelques mesures pour sortir de l'austérité, le monde entier s'est abattu sur le gouvernement grec. Et Tsipras, lui, a capitulé, mais tout ça pour dire qu'en perspective, il ne suffit pas de dire « votez pour nous, on va régler les problèmes », ça sera de toute façon une bagarre politique où on est obligé d'envisager, y compris les vaccins, puisque on parle de crise sanitaire, qui permettraient de nous prémunir de ce que le bureaucratisme génère, y compris dans les rangs du mouvement ouvrier, même de la gauche radicale. Voilà, et de retisser ce fil aux appels, en effet, émancipateurs, de l'appel, par exemple, de la Garde nationale, qui disait qu'en effet, juste à la veille des élections, ils proposaient aux électeurs parisiens de choisir en leur propre camp, parmi eux, de se méfier aussi des beaux parleurs, des parvenus, et puis de préférence d'essayer de porter leur surprêche vers ceux et celles qui ne les briguent pas forcément. Il y avait cette intonation-là libertaire qui, d'après moi, devrait alimenter un petit peu le logiciel de la gauche radicale, parce qu'on a des années de combats politiques qui nous attendent. Alors, je ne doute pas qu'après le visionnage de cette interview, les masses vont se précipiter pour lire l'ouvrage, mais aussi celui de Karl Marx sur la guerre civile en France. Mais pour tous celles et tous ceux qui voudraient aller un peu plus loin, quels ouvrages conseillez-vous ? Alors, des ouvrages qui soient parmi ceux et celles qui vous ont aidé pour écrire le vôtre, ou des ouvrages plus récents qui viennent de sortir, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis également pour célébrer ce 150e anniversaire. Vous avez... Oui, bon, je ne peux pas faire maintenant une liste bibliographique, mais juste mentionner deux ou trois. Non, bon, parmi les classiques, il y a des classiques qu'il faut revisiter, bon, comme Gustave Le Français, par exemple, et d'autres. Bon, c'est bien de relire ça. C'est bien de relire, évidemment, les textes de Marx, si possible avec la préface de Daniel Ben-Saïd, qui est très intéressante. Hein. C'est plus qu'une préface, hein, c'est un petit livre, hein, qui explique comment Marx pensait la politique. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de livres nouveaux. Il y a eu celui parmi les livres d'il y a quelques années, il y a celui de Christine Ross sur le luxe communard, qui est très intéressant, qui illumine tout l'aspect de la fête, de l'art, enfin, c'est très intéressant. Et il y a aussi ce livre qui vient de sortir de Ludovic Bantigny, qui sans doute est un apport très intéressant. Où elle écrit des lettres aux communards et aux communards. C'est ça. Et en liant l'actualité. Voilà, exactement. Mmh. C'est une expérience très intéressante qui sort aussi un peu de l'habituel. C'est ça, oui. Etc. Bon, peut-être tu peux ajouter. Non, bah parmi les classiques, il y en a une multitude. Il y a Lisa Garay, bien entendu. Je reviens sur le livre de Christine Ross, qui s'appelle L'imaginaire de la commune, où elle revient sur tous les aspects dont parlait Michael, où elle aborde cette question justement de la discussion des formes de la paysannerie traditionnelle russe et des discussions de Marx. C'est quelque chose qui l'a
voilà, qu'elle a cherché particulièrement à mettre en avant. Il y a le livre, en effet, de Ludivine, cette espèce de relation voilà, épistolaire à la commune qui célèbre. Et puis au-delà des livres, et puis une multitude d'ouvrages encore dont tu parlais, qui est quand même en effet, si, la préface dont parlait Michael, c'est dans un livre qui s'appelle « Inventer l'inconnu ». Inventer l'inconnu, avec la préface de Daniel Ben Saïd, c'était aux éditions de La Fabrique, où là, Daniel allait pousser la réflexion politique vraiment en cherchant à l'actualiser, et ça, on peut le conseiller à tous et toutes. Et puis voilà, puis la meilleure façon de célébrer la commune, ça serait d'en refaire une, réussie. Voilà, mais parce que je dis ça sérieusement, parce qu'il ne faut, il faut pas lâcher. Alors, on vit des moments difficiles, et je sais que tous et toutes. Tout le monde est traversé par des doutes, on sent vraiment qu'il y a une offensive réactionnaire, et c'est dans ces moments-là précisément qu'il faut tenir et qu'il faut tenir bon. Ben merci à vous deux pour ce moment passionnant. Et alors pour terminer, on vous rappelle quand même que de nombreuses initiatives ont eu lieu, vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire, et en particulier à Paris, le 29 mai, à l'appel des Amis de la Commune, mais aussi dans un cadre très très large, unitaire, syndical, associatif et politique. Donc rendez-vous le 29 mai à partir de 10h à République pour fêter comme il se doit, avec une manifestation à partir de 14h vers le mur des fédérés, comme il se doit, cette commune.